Après 8 ans de médecine, Paul, en troisième année d'internat, a une ambition, devenir un médecin généraliste très complet. Pour y parvenir, un passage obligé, les urgences. Un service où le diagnostic doit être sans faille et très rapide. Il va devoir être à la hauteur, dans ce service où la moindre erreur peut être fatale. On va tout de suite vous poser une perfusion pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, d'accord ? Sixtine est dans sa huitième année d'études de médecine. Elle va intervenir en salle de naissance et au bloc opératoire pour mettre des bébés au monde et soigner des mamans, souvent dans l'urgence. Elle va devoir supporter la sévérité et la rigueur de sa hiérarchie. Et la checklist, ça sert à quoi, bordel ? François a déjà 6 années d'études médicales derrière lui. Il démarre tout juste son internat. C'est la première fois qu'il va devoir soigner des patients atteints de maladies graves, à peine sorti des bancs de la fac. Vous m'entendez ? Répondez-moi ! David est en 4e année d'internat. Il entre dans sa 10e année d'études. Il est papa d'une petite fille de 6 mois. Tous les jours, il enchaîne les opérations de chirurgie réparatrice pendant plus de 10 heures au bloc opératoire. Il va devoir concilier sa vie de famille et l'apprentissage difficile de son métier de chirurgien et faire face à un événement grave qui va remettre en cause son internat. Je suis très très emmerdé, quoi. Donc, voilà. Après 11 ans d'études de médecine, Delphine est en fin d'internat. Elle veut devenir une grande chirurgienne, spécialiste des transplantations d'organes. Elle va évoluer dans le service de chirurgie thoracique le plus pointu d'Europe, où la vie de chaque patient est au bout du scalpel. Elle va devoir supporter cette pression constante pour faire partie, un jour, de l'élite de la chirurgie. On se dit qu'on a une... Ouais, c'est au-delà de la responsabilité, là. C'est une espèce de superpuissance. Alors, le réseau Île-de-France, ça doit être là-haut. Donc moi, je vais prendre le train qui part à Chartres à 8h19 pour aller à Rambouillet. Premier départ, je pense que ça va pas être très compliqué, mais c'est la première fois que je prends ce train. Donc c'est parti. 18. Je crois que c'est de l'autre côté, en fait. Non, je crois que c'est là. Attends. Il y a quelques jours à peine, François était confortablement assis sur les bancs de la fac. Pour devenir médecin généraliste, après 6 années d'études, il va devoir mettre en pratique ses connaissances théoriques à l'hôpital, pendant 2 ans, au cours de son internat. À tout de suite. Aujourd'hui, sa vie d'interne commence. Ce matin, pour son premier voyage vers Rambouillet, il rencontre Guillemette, une autre interne en première année. Ça va, ça va. Je suis pas trop stressée. Et toi ? Ouais, ça vient, ça commence à venir. Rambouillet, c'était pas vraiment mon premier choix. J'aurais bien voulu faire des urgences.
mais il restait plus d'urgence en fait dans la liste des gars, des stages qui restaient quand je suis passé avec mon classement. Et donc du coup j'ai dû prendre un stage assez loin, mais bon a priori la notation de ce stage est assez bonne, donc je pense que je vais avoir une bonne qualité de formation quand même. Nouvelle interne de l'hôpital et je voulais récupérer une blouse. Faut pas aller au magasin. Le magasin c'est ? Ouais. C'est là-bas ? Le magasin. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où c'est ? Voilà, en face de l'espèce de rouge en pierre. Sur la gauche ? Voilà, sur la gauche. Ouais. Sur la gauche, la dernière porte. Ouais. Très bien, je vous remercie. Merci. Au revoir. Bonjour. C'est où ? Merci. C'est là-bas ? Ok, c'est le bâtiment à l'entrée ? C'est là d'où je viens. Ouais, le truc. Ouais. Merci beaucoup. C'est bien. Donc là, ça y est, c'est le début. C'est le début de l'internat. C'est nickel. Hein. Parfait. C'est une vraie découverte. Tout mon rôle d'interne, je vais le découvrir aujourd'hui. C'est un peu l'aboutissement de 6 ans d'études, donc c'est très important. Pour accueillir François et ses collègues internes, le chef de service de médecine générale, le docteur Olivier Ribière. Et comme à son habitude, dès le premier contact, le discours est très direct. Après des années d'études, vous devenez responsable. Vous êtes face à des responsabilités des vraies. La vie change. Ça fait des années qu'on vous bourre le crâne d'informations, plus ou moins bien faites, mais bon. Et maintenant, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Alors, le plus dur, je pense, pour vous au départ, c'est on fait pas mal de cancérologie. Alors moi, je me souviens, quand j'étais interne, la cancérologie, c'était ma terre. J'avais horreur de ça, j'avais peur. Peur des maladies graves, peur des trucs... peur de la mort, peur de l'échec de la médecine, peur de tout ça, et c'est quelque chose de dur. Je crois qu'il faut offrir la compétence et puis offrir aussi une certaine énergie. Hein. C'est pas, vous n'allez pas être désespéré face à vous êtes des professionnels. Donc apportez votre énergie, voire un peu de gaieté, des fois. Quand ça va bien, vous avez le droit de le dire. Est-ce que vous avez des questions ? Pour l'instant, non. Pas de questions. Ben, c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans les circonstances actuelles. François arrive dans un service difficile. Les patients qu'il va devoir soigner sont pour la plupart atteints de maladies graves, comme le diabète ou le cancer. Dans quelques heures, il va devoir prendre en charge son premier patient. Il sera seul. Delphine est en toute fin d'internat. Elle a 28 ans. Après 10 années d'études, dans un an, elle sera enfin chirurgien. Son stage, elle va le faire dans cet hôpital, spécialisé dans la chirurgie thoracique. Le plus pointu d'Europe. Cette patiente, c'est une patiente qui a été greffée des poumons. Donc moi, je l'ai opérée avec le chirurgien. J'étais là, je l'ai aidée. Mon rôle, c'est quand même de savoir comment elle va après, comment ça se passe après la transplantation, comprendre son histoire jusqu'au bout, quoi. Pas simplement l'opérer et après oublier, quoi. Ça rend tout ce qu'on fait un peu plus humain, parce que c'est vrai que sinon, on pourrait être juste un peu juste technicien, on va dire. Je suis en fin d'internat, mais on se sent pas... Il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on est plus à l'aise, on sent qu'on
qu'on maîtrise mieux ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, bah, je suis moins stressée, angoissée devant un patient qui, où je ne comprends pas ce qui se passe ou qui ne va pas bien. Ça me rassure et en tout cas maintenant, je crois que je sais m'en occuper au moins pour le début, quoi, en tout cas. Si Delphine maîtrise le suivi de ses patients en réanimation, il n'en est pas de même pour certaines chirurgies pulmonaires. Il est 9h. Dans quelques minutes, une intervention chirurgicale unique en Europe va se dérouler dans ce bloc opératoire. C'est un patient qui a les artères des poumons bouchées. Et donc, il faut qu'on lui débouche ses artères. C'est une opération qui est importante. Parce que c'est une opération qui se fait pas souvent. Et la plupart des patients sont opérés soit ici, soit aux États-Unis. C'est le seul endroit en France où on fait cette opération. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'occasion de la voir et d'y participer. C'est une chirurgie qui est difficile, que moi j'aime beaucoup, qu'un jour j'aimerais bien pouvoir faire, voilà, même si c'est dans 20 ans ou dans 15 ans, je sais pas. C'est le rôle de l'interne, c'est de voir pendant son internat un maximum de chirurgie pour s'imbiber de toutes les interventions qu'elle aura vues et qu'elle aura en partie faites. Son rôle est très important parce que comme dans toute cette chirurgie très compliquée qui nécessite l'intervention de plusieurs personnes, comme dans un avion, il y a un pilote, il y a un copilote et puis dans le cockpit, il y a plusieurs personnes. Voilà, c'est pareil. Avec ses artères pulmonaires bouchées, ce patient risque inévitablement de faire un arrêt du cœur. Même si elle comporte des risques, cette opération est donc obligatoire pour sa survie. On transperce le ventricule droit. Ouais, ce qu'on ne fait pas d'habitude, mais pas que vous le venez pas faire. Ouais. Mais là, on va peut-être être amené à le faire. Et parce que du coup, on ne pourra pas passer par la veine directe. Bah oui. Ouais. Delphine, on peut la classer dans la catégorie des bonnes élèves. Parce qu'elle est assidue, elle est sérieuse, et elle s'intéresse beaucoup aux malades et au suivi du malade. Elle prépare ses interventions, elle comprend donc ce qu'on fait. Du coup, elle aide bien et on peut se permettre de la responsabiliser et de lui donner des segments d'intervention, voire des interventions entières à faire. Pour accéder aux artères pulmonaires, le médecin va littéralement ouvrir en deux la cage thoracique du patient. Le cœur va être arrêté artificiellement. Une intervention chirurgicale très compliquée. Delphine ne fera qu'assister le docteur Mercier. Comme ça, le poumon, il protège le cœur et je préfère fendre de poumon que cœur. Je trouve en le barbeau, attachement. Ouais. Je vais prendre la scie. Le chirurgien qui a mis au point cette intervention si compliquée, c'est lui, le professeur Dartevel, le chef de service. Je suis content que Delphine puisse avoir accédé à un service comme celui-là où il y a de la chirurgie très compliquée et qu'elle s'intègre bien. Elle ne croit pas tout savoir et elle sait qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre et par conséquent, elle a compris comment apprendre. Elle s'intéresse au problème à la fois de la salle d'opération et de ce que va devenir le malade après. Je pense que ce sera un bon élément chirurgical. Mais c'est très long. Elle n'est qu'en cinquième année. Il y a un chirurgien de ce type de chirurgie, il est formé après 15 ans environ. Au moment le plus critique, c'est le professeur Dartevel qui va se charger du geste le plus difficile. Alors l'important là maintenant, c'est d'avoir accès à l'aorte. Parce que s'il nous arrive un gros souci, il faut qu'on puisse remplir. Tu vois, c'est une voie d'abord. Ouais. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, c'est tu vois, tu rentres dans l'infondibulum. Voilà. Et bien on a quelque chose qui ressemble plus à un cœur maintenant. On peut mettre un petit coup de musique, ça va détendre l'atmosphère. Je ne peux pas trop faire plus parce que ça... Merci beaucoup. On est parti, comme en l'an 40. Cela fait maintenant plus de 3 heures que l'opération a débuté. La partie la plus difficile reste à faire, déboucher les artères pulmonaires. À ma droite. Ouais. Ah, c'est par là, là. Ouais. Pour y parvenir, l'équipe médicale va créer un arrêt cardiaque en baissant artificiellement la température du corps. Une pompe mécanique prend le relais. On est à combien de cardiologie là ? Non, mais à 22 minutes. Les minutes défilent,
Le stress augmente d'un cran. Moi, je ne vaux rien, ta pince à coudre. C'est pas ça qu'il me faut. C'est une pince solide à coudre. Allez, on ferme ça. On reprend la circulation, s'il vous plaît. Vérifiez bien. Ouais. Allez, on respire bien, les enfants. Au bout de 5 heures d'opération, le professeur d'Arteval parvient enfin à déboucher les artères de ce patient, comme prévu. Tu me remplis ce cœur. L'équipe médicale peut maintenant réchauffer le patient pour remettre son cœur en route. Non, mais c'est pas bien. Ça gonfle que dalle, là. Oh. Bah, non. Je te prends une de baquet, s'il te plaît. Sur un gros point qui tâche, hein, pas un truc. T'as pas pris du muscle là. Allez. C'est maintenant au tour de Delphine de terminer l'opération. Elle doit réaliser un point de suture directement sur le cœur. C'est bien, Delphine. Ciseaux. Il défibrille. Là, faut regarder l'écran là. Ça y est, le cœur rebat. Il est en train de rebattre. Hein? Donc là, je peux enlever la cagnotte. Ouais. Retire-toi. C'est la première question. Ouais, mais bon, tu m'as dit. Et puis... Delphine a fait une petite bêtise. Au moment de débrancher le cœur artificiel, elle a libéré une artère, sans faire vraiment attention. Je suis désolée, hein, franchement, c'est mais cool. Mais il n'y a pas de soucis. Non, mais bon, ça n'arrive jamais, mais bon. Mais arrête, c'est la première fois que j'ai eu ça. Bon, Sarah, je vais me rechanger du coup. Oh, t'es mignonne. Quand tu pars. Bah, en même temps, c'était un baptême, hein, on va dire. Même si Delphine a fait une erreur, ce patient est sauvé. C'est horrible. Toi, t'as fait exprès, c'est pas exprès du tout. Toute la journée, elle va enchaîner les opérations au bloc opératoire. Pour la prochaine, elle devra partir en urgence à l'autre bout de la France pour sauver la vie d'une femme. Merci. Paul a 26 ans. Il est en troisième année d'internat. Aujourd'hui, c'est une journée type. 8h30, 18h30, classique, normal. Journée normale, petite journée, fin de la semaine. Le vendredi, il y a toujours beaucoup de monde aux urgences. Donc il risque d'y avoir un petit peu de monde, mais bon... Mais bon, il y a du monde aussi qui travaille, il y a les internes, les externes, les chefs, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Son stage, il va le faire dans un service difficile, les urgences de l'hôpital Cochin, à Paris. Ça, c'est un petit carnet où il y a tous les médicaments de l'urgence, tous les médicaments courants, ça évite d'aller chercher dans les bouquins, ça, c'est tout un tas de protocole. C'est l'anti-sèche, c'est le truc qu'il faut, tout le monde en a sur soi. Ça, c'est pareil, c'est des notes, c'est des médicaments, c'est des protocoles. Ça, c'est tous les médicaments de l'urgence, les médicaments de la médecine générale qu'on est amené à prescrire tout le temps. Voilà, et puis ça, je l'ai bien. Ça, c'est la petite feuille numéro de l'hôpital, qui appelait le radiologue. L'antenne de cardio, l'antenne d'ortho, tout ça, c'est les numéros. Voilà. L'objectif, c'est pas de surprise, quoi. Toujours prêt à tout, quoi. C'est surtout, c'est pas tant au niveau des connaissances, parce que ça, on peut les trouver, ces trucs-là, là, tout ça, c'est sur Internet, dans n'importe quel bouquin, on y a accès sans souci aux urgences, mais... Mmh. C'est pas faire 15 allers-retours dans le service, aller chercher des informations... C'est des informations dont on a besoin tout le temps, et il faut pas les... Il faut pas les avoir trop loin de soi, quoi. Voilà, c'est parti. Les urgences de Cochin. Tous les jours, plus d'une centaine de patients arrivent ici. Les raisons médicales sont très variées. Un peu de chirurgie, de traumatologie, de psychiatrie, mais surtout de la médecine générale. Des blessures, des maladies pas toujours très graves, mais qui engorgent régulièrement le service. Non, si vous voulez, j'en prends la force. Moi, j'ai pas envie. Alors, l'attente est souvent interminable. Certains malades patientent plusieurs heures avant de voir un médecin. Dans ces conditions, le ton monte. Si vous voulez y aller, je peux pas vous retenir, monsieur. Pas revenir encore. Non, mais... On va faire ensemble.
C'est comment votre nom, monsieur ? Le personnel médical est régulièrement mis à rude épreuve. Je la ferme, ta grande gueule de merde ! Mais la violence de certains patients n'est pas la seule difficulté que doit affronter Paul. Cet homme est bien connu du service. À chaque fois, il vient pour la même chose, l'abus d'alcool. Monsieur Van Leeuwen, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Van Leeuwen ? Pourquoi vous êtes ici, alors ? Je suis alcoolique. Ouais ? 5 degrés. Bon, peu importe, vous avez bu un petit peu aujourd'hui, quoi, c'est ça ? Vous avez bu un peu aujourd'hui ? Ouais. Ça arrive ? Mais toute la nuit. D'accord. Dites-moi, monsieur Van Leeuwen, tu m'appelles Jean-Pierre, s'il te plaît. Oh bah, moi, vous êtes impatient, alors j'aurais plutôt tendance à vous appeler par votre nom de famille, même si vous le demandez, parce que ça me gêne un peu de vous tutoyer et de vous appeler par votre prénom, mais il faut pas que vous le preniez mal. C'est parce que je suis médecin... Tu m'appelles Jean-Pierre, ou sans quoi je m'en vais là. Ah bon, bon bah alors je vais vous appeler Jean-Pierre. Vous n'avez pas de soucis pour aller à la selle ? J'en sais rien. J'entends mal. Vous faites caca comme tout le monde, vous n'avez pas de soucis pour aller à la selle ? Non. Il n'y a pas de sang dans les selles ? Non. Arrête. Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête. Parce que j'ai un Pompidou l'année dernière. Ils m'ont trouvé la cirrhose. Ouais ? Normal. Normal. Vous avez le moral ? Je vais y arriver. Non, enfin, c'est une question, j'ai, hein. J'ai pas compris, là. Je trouve que vous avez pas trop le moral. C'est vrai que t'as raison. T'as raison. Et est-ce que ça vous intéresserait de voir l'assistante sociale pour qu'elle vous donne éventuellement des numéros ou des... Qu'elle arrive maintenant. D'accord, à la fin de notre entretien. Elle arrive maintenant. D'accord. Merci. Elle arrive tout de suite. Merci. C'était riche, cette consultation, c'était riche. Bah lui, parce que lui, il demande pas à venir aux urgences. Il est en grande précarité, il est alcoolique chronique, il est complètement désocialisé. Il a pas demandé à venir aux urgences, il veut partir. Et visiblement, il aime pas trop les médecins. Et puis voilà, il faut quand même aborder un peu des sujets pour essayer de... autant que possible de le réinsérer socialement, autant que possible. Il est marié, propre histoire quand même. Si tu peux juste lui donner et suivi à la dispensaire à la MGN, je voudrais juste que tu en remettes une couche sur ça serait bien que vous retourniez voir un médecin à la MGN, etc. Toutes les associations alcooliques, etc. Donc je pense qu'il connaît, mais bon. Ce patient n'est pas en danger immédiat. Pour qu'il consomme moins d'alcool, l'assistante sociale tente de le convaincre de rencontrer un psychologue. Mais l'entretien ne dure que quelques minutes. C'est d'accord pour rencontrer l'équipe ici, mais il ne veut pas acheter au sujet de madame. Je vais aller le revoir, de toute façon. Monsieur Van Leeuwen, qu'est-ce qu'on fait alors ? Monsieur, vous attendez ? Moi, je m'en vais. Vous voulez pas rester ? Regardez, là, venez voir Jean-Pierre. On vous met là. Regardez, on vous met là, tranquille, là, au fond, on fait une prise de sang, et dans 2 heures, vous piquez un somme, et dans 2 heures, 3 heures, vous voyez le psychiatre. Non, c'est pas grave. T'es gentil. Bon, y a pas de problème. Vous oubliez attends, votre pull. Attends, bouge pas. Vous oubliez votre pull, monsieur. Comme à chaque fois, le patient a le droit de choisir. Cette fois-ci, il ne verra pas le psychologue. Je vous en prie. Bonne continuation, monsieur. T'inquiète pas. Monsieur Leeuwen, si jamais ça va pas, vous revenez, hein. Les stimulants sont les meilleurs. Bon, bah c'est bien. Paul n'a pas d'autre choix que de le laisser partir. Bonjour. Fin d'après-midi, Paul est appelé en urgence, en salle de déchocage. C'est ce monsieur-là qui n'a pas encore été vu, c'est ça, Olivier ? C'est ça, voilà. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, il faut le... Ce patient est dans un coma diabétique. Son pronostic vital est engagé. Bonjour, monsieur. Je suis le médecin, enchanté.
Ouais, qu'est-ce qui vous arrive là alors? Vous êtes pas très bien là, hein? Bon. Ouais, on est à l'hôpital Cochin ici. Bon. Là, on a vu que probablement le diabète, ça va pas du tout et c'est ce qui vous rend très ralenti et un petit peu endormi. D'accord? Donc on va tout de suite vous poser une perfusion pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ce monsieur, il a trop de sucre dans le sang, ce qui le rend un petit peu dans le coma. Voilà, c'est un diagnostic qui est rapide, il a trop de sucre dans le sang. Voilà, donc il y a un traitement très, très simple pour ça, il faut lui mettre de l'insuline assez rapidement, il faut le réhydrater de façon très importante, et puis il faut le surveiller de façon très très rapprochée. Il y a urgence, hein? Oui, là, il y a urgence, ouais. Ouais, il y a urgence. Voilà. Serrez ma main très fort, serrez. D'accord? Et celle-là, serrez aussi très fort, celle-là. Il faut faire vite. Le temps passe et le patient plonge dans un coma de plus en plus profond. Paul n'a que quelques minutes pour sauver cet homme. Il fera tout pour y parvenir, sans l'aide de son senior. Il est 7h30 du matin. Sixtine a 25 ans, elle est en deuxième année de son internat. Tous les matins, elle fait le même trajet en voiture en direction de la banlieue parisienne. Rester dans le rouge en 2010. L'association internationale du transport aérien table sur... Je suis contente d'aller au travail le matin. Je pense que j'aurais pas pu faire autre chose que médecine, parce que me retrouver derrière un bureau à faire des chiffres ou du commerce, ça m'aurait ennuyée. Ça y est, là, c'est parti, hein. Ouais. C'est parti pour une journée de combien d'heures? C'est parti pour une journée qu'on a hâte qu'elle se finisse. Pourquoi? Bah pour rentrer tranquillou à la maison. Sixtine a choisi une spécialité stressante, la gynécologie et l'obstétrique, à l'hôpital de Versailles. Aujourd'hui, la journée s'annonce difficile. Elle fait sa garde aux urgences. On a une dame amenée par SAMU, ouais, qui est enceinte, prouvée, bêta HCG, dernière règle, etc. Qui vient pour douleur au dos, suspicion de GU, 11 grammes 2, tachycarde. Je la mets trop des chocs quand elle arrive. Ça marche. Pas une seconde à perdre pour Sixtine. Elle se rend rapidement auprès de la patiente. C'est une dame qui doit saigner, qui est enceinte a priori et qui vient pour suspicion de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire une grossesse qui ne s'est pas développée dans l'utérus, mais au niveau des trompes. Donc c'est grave, parce qu'elle peut rompre sa trompe et saigner et faire une hémorragie interne. C'est une patiente de 36 ans qui a un enfant, ensuite qui a fait deux fausses couches, ensuite deux grossesses extra-utérines. Pour les cas difficiles, Sixtine doit en référer systématiquement à son senior. Qui lui faisait penser à sa grossesse extra-utérine. D'accord. Voilà. Bon, on va aller voir. Ouais. La grossesse de cette femme n'ira pas à terme. L'embryon s'est développé en dehors de l'utérus. Il n'est donc pas viable. Il va devoir lui être retiré. Pour Sixtine et son senior, le plus important est maintenant d'éviter l'hémorragie interne de cette femme. On en est où? Dites-moi tout. On va aller au bloc opératoire. Pour si on peut traiter, s'il y a quelque chose à traiter, enlever la grossesse extra-utérine, et s'il n'y a rien, au moins affirmer le diagnostic. Non, parce que c'est pour mon épouse. Hein. Oui, exactement. Donc, Vous voulez qu'on vous donne plus d'infos? Ben, je ne sais pas. Moi. Si, venez. Donc a priori, c'est bien une grossesse extra-utérine droite. Et la célioscopie, ça va nous confirmer le diagnostic. Et si on peut traiter, s'il y a des choses à traiter, on traitera. C'est-à-dire aspirer le sang qu'il y a dans le ventre, voir l'état de la trompe. D'accord. Si on peut la garder,
Ah oui, quand même. Ou si elle est dans un trop mauvais état, l'enlever. Ah, oui, donc on a discuté avec votre femme. Ouais. Ah, oui. Nous, on lui a dit qu'on allait être le plus conservateur possible. Ouais, ouais. Tant qu'on peut garder la trompe, on la garde. Ah, oui, par contre, si elle est trop abîmée, on enlèvera la trompe. Après, c'est l'assistance à la procréation, fécondation in vitro. Sachez que c'est pas irréversible. En ce qui concerne les bébés. Si le mari est aussi inquiet, c'est que sa femme n'a déjà plus qu'une trompe. Alors lui supprimer la deuxième, c'est lui enlever toute chance d'avoir un enfant. Ça aurait été une dame qui arrive avec un bébé mort dans le ventre. Là, oui, j'ai plus de mal à aller parler à la famille. Et c'est peut-être d'ailleurs pas mon rôle, mais plus le rôle du chef. Mais là, pour une intervention comme ça, une cœlioscopie, non, ça me pose pas de soucis. Oui, bonjour, c'est l'interne de gynéco. J'appelle pour savoir si c'était possible de passer au bloc pour une GEU. D'accord. Donc on peut la monter en salle de réveil? Merci beaucoup. Cette patiente menace à tout moment de faire une hémorragie interne. Sixtine doit faire vite. Direction le bloc opératoire, elle va participer à l'opération qu'elle connaît déjà. Si on tombe pas sur des mauvaises surprises, c'est assez rapide. Et c'est pas compliqué, c'est la préparation qui est longue. Mais en soi, le geste, c'est rapide. Quel est le danger pour la patiente, en fin de compte, de cette opération? Bah, le danger, il est plus fonctionnel, pour sa trompe, quoi. C'est-à-dire? Bah, qu'on lui enlève la trompe. Cette intervention va se faire sous cœlioscopie. Des pinces, des scalpels, une caméra, Sixtine et son seigneur vont intervenir par de simples petits trous percés dans l'abdomen. On va voir l'état de la trompe, soit on la garde, soit on l'enlève. Parce que c'est une récidive sur trompe droite là. Ma trompe, ça m'a l'air bien, non? Après 2 heures d'intervention, Sixtine et son seigneur sont parvenus à extraire l'embryon sans vie de cette patiente et à sauver sa trompe. C'était pas une urgence vitale, mais c'était une urgence, du coup on l'a faite et ça s'est bien passé, on a bien réussi, enfin on a fait le travail qu'on devait faire, voilà. Je suis surtout venue ici pour faire du bloc opératoire. Donc, je suis contente quand il y a des interventions. Elle dort, on va la voir tout à l'heure. Elle t'entend, hein? Elle parle? Ouais, tout s'est très bien passé. On a gardé votre trompe. Elle était belle. C'était sympa. Elle m'a laissé faire plein de trucs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Elle m'a aidée, en fait. Disons que là, peut-être on pourrait dire que j'étais l'opérateur et elle me servait d'aide. Sauf au moment où j'étais un peu dépassée et du coup, c'est elle qui reprenait la main. Sauf que bon, j'étais... Ça me stressait pas, donc c'était bien. Ouais. Bon. David a 28 ans. Il est en 4e année d'internat. Alors là, je suis parti pour 36 heures de garde, normalement. Donc la journée de travail, la garde de nuit, puis on enchaîne la journée de travail le lendemain. Voilà. Tous les matins, David laisse sa femme et sa fille, encore endormies, à la maison. Un quart d'heure de scooter dans les rues de Marseille pour arriver ici, à l'hôpital de la Conception. Sa journée, il la commence dans cette petite pièce et toujours par le même rituel, faire le point sur les opérations de la nuit auprès des autres internes. En fait, je savais pas
Et c'est l'anesthésiste réanimateur là-bas, il avait fait un lambeau de rotation pour couvrir la suture. Ouais. Et l'anesthésiste réanimateur a dit non, mais c'est pas possible, il a laissé un trou quoi. Et il a pris un gros flexo. Il a fermé un comme un gros bois. Hein. Voilà. Et il a pris l'artère dedans. Le point, en fait, c'est un petit peu la relève de tout ce qui s'est passé dans la nuit. Donc l'interne qui est de garde, enfin je l'ai vu tout à l'heure, il nous fait la relève et c'est vrai qu'on le dit à tous les internes du service pour être sûr qu'on n'oublie aucun patient, que tout le monde est au courant. Si on nous demande, voilà, on sait ce qui s'est passé et on peut faire le point entre nous et en parler à nos chefs. 8h30, plus une minute à perdre. L'ensemble du personnel médical est déjà réuni au grand complet, au troisième étage. C'est la visite des patients dans leur chambre. Une visite sous l'étroite surveillance du chef de service, le professeur Gray, qui ne laisse rien passer. Je fais la visite une fois par semaine pour contrôler un peu ce que font les internes, parce que les internes, il faut les surveiller. Parce que moi, je suis responsable de tout ce que font les internes. Parce qu'ils travaillent sous ma direction. Donc une fois par semaine, vous faites le tour avec tous les internes? Voire deux fois par semaine, quand on a des mauvais internes. C'est pour ça qu'on l'a fait deux fois par semaine en ce moment. Non. D'accord. Belle matinée, ça vous va? Comment ça va? J'ai mal. C'est pas un peu serré là? On va essayer de vous le desserrer. C'était la trapézectomie. Ouais. C'est moi qui l'ai peut-être un peu serré. David a trop serré le pansement de cette patiente. Elle en souffre. Rien de bien grave, mais c'est à lui d'intervenir. On vous a fait voir. Vous avez vu? Oh, pardon, excusez-moi, madame. Un peu serré, là, tout ça. Ça va. Bon, je vous laisse, je vais déposer ouais, mon bagnole. Oui, compris. Ça coupe pas la peau, hein, ça coupe que le plâtre. Ça tire un peu, vous allez voir. Voilà, ça appuie un peu sur l'hématome. Voilà, c'est desserré là. Une petite intervention pour David, en ce début de matinée. Mais la journée va lui réserver une urgence bien plus sérieuse. Il devra sauver la main d'un jeune homme. À l'hôpital Cochin, la situation devient critique pour Paul. Son patient s'enfonce dans un coma diabétique de plus en plus profond. Dépassé, il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher son senior. Belkacem, le monsieur a dû des chocs. Écoute, il est en coma a priori hyperosmolaire, il a un dextro-hachis, il a 7 de tension, on n'arrive pas trop à le perfuser pour le moment. Est-ce que tu veux qu'on appelle la réanimateur? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a commenté ici dans monsieur Sylvain? Il est suivi pour une leucémie à Cochin, apparemment. Voilà, j'ai pas plus d'infos pour le moment. Donc, est-ce que tu veux qu'on appelle les réas éventuellement? T'arrives pas à le perfuser, Olivier? Bon, ça va, à mon avis, ça va se terminer avec un 4T, ça. Tu veux qu'on appelle les réas, Belkacem? Ben oui, là, c'est... Hein? Cela fait maintenant plus de 10 minutes que les infirmiers cherchent une veine pour lui injecter d'urgence son insuline. Mais les minutes passent et la moindre veine reste introuvable. Bon. 12-517 l'arrière, on est d'accord, hein? C'est l'accueil, il ne répond pas tout le temps. Tu me rappelles sur mon portable au 06 62 76. Ça sera plus simple. Là, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu inquiet parce que là, ça fait 5-10 minutes qu'ils sont en train d'essayer, mais il n'a vraiment pas de veine et il est complètement vide. Voilà. Merci. Voilà. On a appelé les réanimateurs qui sont en train de chercher des informations. Et moi, je vais aller voir sa fille en salle d'attente, en savoir plus. Bonjour madame.
Venez avec moi, je suis le médecin. Venez, venez. Asseyez-vous ici, je suis le médecin qui m'en occupe. Excusez-moi, hein, je fais vite, mais parce que là, il y a urgence. Qu'est-ce qu'il a comme problème de santé particulier ? Il fait partie du scandale du sang contaminé. Il est suivi où pour le VHC ? Il a une leucémie, c'est ça ? Il a une leucémie. Actuellement, apparemment, c'est poussé, une déformation de la moelle osseuse. Depuis combien de temps il s'alimente plus ? Il a déjà eu beaucoup de chimio depuis de nombreuses années. Et la leucémie, elle a été découverte quand ? Septembre-octobre. Septembre-octobre, là, juste là. De cette année-là. En fait, tout s'est concentré, leucémie, diabète, et tout s'est concentré là. D'accord. Une concentration de maladies qui donne peu de chance à ce patient de s'en sortir. Paul, ouais. C'est compliqué. Là, c'est compliqué, oui. C'est compliqué, il y a beaucoup de pathologies. Ah, il n'est toujours pas perfusé. Bon, super, on n'y arrivera pas. Bon. Là, il n'y a rien, là, il est là. On est même pour un bilan, on galère. Ouais. Là, on a un... Bon, il faut lui monter. On a un bon truc, c'est un bilan. Mais... C'est donc si j'ai l'avocat, monsieur. S'enfonce. Les infirmiers parviennent enfin à perfuser leur patient. Il n'est plus en danger immédiat. Mais pas vraiment encore sorti d'affaire. Faire un petit coucou. Voilà, donc il y a plein de fils partout, hein. Vous vous étonnez pas. Hein. D'accord. Voilà, il est là. Bonjour. Monsieur Mousse, Mousseau, je vous amène votre fille. Ça va, papa ? Ça va mieux, hein. Il est plus posé, plus net. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Si vous voulez, venez éventuellement avec nous voir où est-ce que c'est. C'est pas facile. Hein. Qu'est-ce qui est pas facile ? Bah, la gestion, apprendre la gestion de l'urgence, savoir qui appeler, comment gérer le patient. C'est pas tant les connaissances médicales, c'est plus la pratique. C'est avec la pratique que ça vient, c'est plus... qu'est-ce qu'il faut faire en premier, qui il faut appeler en premier. On sait qu'il faut faire toutes ces choses-là. Et après, comment il faut les faire, dans quel ordre, avec quel ordre de priorité. Ça, c'est plus dur. Et ça, effectivement, c'est avec... C'est nouveau pour vous, ça ? Ouais. Je commence à être un petit peu plus habitué à ce genre de patient, mais c'est encore assez exceptionnel, hein, quand même. Là, ça fait 2 mois que j'avais pas eu un patient aussi... 2-3 mois que j'avais pas eu un patient aussi costaud à gérer, quoi. Quelques minutes plus tard, ce patient est transféré dans le service d'hématologie, un service qui traite les maladies du sang, sous haute surveillance. Ça y est, voilà, ça y est, ça c'est fait. Ça papote. Pour ne pas se laisser gagner par l'émotion, Paul doit revenir très vite à la réalité. Ça pue. Ça, c'est fait. C'est vrai, dans ce truc, ça pue, ils n'enlèvent pas les tenues, ça pue, ça fait 4 jours que j'ai la même, ça pue. Une journée ordinaire pour Paul. Son stage aux urgences ne fait que commencer. Un stage difficile qui va lui réserver des moments critiques et qui mettra sans cesse ses connaissances à l'épreuve. Tu rigoles, je me casse là. Je reviens mardi. Ok, bah à mardi. Allez, bye. Ciao. Ciao, bye bye. Ciao. À Rambouillet, c'est le baptême du feu pour François. Il doit s'occuper de son tout premier patient. C'est un patient qui vient d'arriver, qui a un diabète. Et qui n'a pas assez d'insuline pour que son organisme fonctionne bien. Très bien, parfait. Alors, vous suivez un protocole particulier ? On met H2-5, il ne faut pas mettre de sérum fille ou qu'est-ce qu'on met ? Avec la... En garde veine, si tu veux. En garde veine, on va mettre du sérum fille pour l'instant. Sérum fille. Voilà, et du G5 ensuite. Et je demande, juste avant que tu le poses, je demande juste à Caroline. François est en première année d'internat. À ce titre, il ne peut prendre aucune décision médicale sans en référer à un médecin qualifié, un senior. Aujourd'hui, c'est Caroline. Sérum fille, glucose, ouais. Kaliémie, phosphore. C'est la première fois là que je suis un peu... faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, petite urgence relative, on va dire. C'est le tout premier malade de François. Vous n'avez pas de fièvre ?
Des fois, j'ai de la fièvre. Mais là, en ce moment? Non. Non? Vous avez pas mal quelque part? Moi, non, pour l'instant. Vous sentez bien que vous toussez pas? Je vais vous ausculter, je vais vous examiner. Merci beaucoup. Pas un mot pour le malade. Avant d'aller plus loin, il veut très vite se rassurer auprès d'un ancien médecin du service pour valider ses conclusions. Bon, il a perdu du poids, oui, je pense. Il est costaud. Hein, il est costaud. J'ai aperçu sur le banc, là. Je vais pas poser la question du poids, mais... Cliniquement, il avait rien de spécial. Cliniquement, le ventre est bien. Non, je pense que là, c'était l'essentiel. J'ai oublié le poids, mais ça, j'oublie pas. Et puis j'allais regarder bien les sites infectieux. C'est quelque chose que j'ai pas vu en cours. Si, j'ai dû le voir en cours. Mais c'est vrai que là, j'aurais pas été capable de le ressortir. Enfin bon, le poids, c'est un aimant, mais c'est vrai que je pense que le truc, c'est que en cours, c'est une espèce de liste, il n'y a pas beaucoup de relief. Enfin, il y en a parce que les enseignants sont là pour ça, quoi. Mais du coup, c'est vrai que quand on est confronté à un vrai patient, on ne priorise pas de la même façon. Mais non, c'est bon. C'est dans le désordre, mais ça y est. Tu commences l'insuline. Selon le protocole. Mm-hmm. Ok, allez, je retourne aux consultes. Vous êtes à l'heure. Merci. C'est sûr que là, au début, voilà, c'est le début de l'internat, c'est le début de mon stage. Il va falloir que très vite, j'arrive à prendre en charge mes patients de façon optimale, leur poser les bonnes questions, être efficace, hop, prescription, prise en charge, bilan. Voilà, et ça va se mettre en place tout doucement. C'est vrai que là, les enchaînements sont un peu difficiles. J'ai l'impression que j'ai des oublis parce que il faut que je m'adapte au milieu et parce que faut que le métier rentre et que je me fasse au service, je me fasse au type de patient que je vais voir, etc. Et puis peut-être aussi qu'il va falloir que je revoie certaines choses théoriques, très théoriques de mon côté, ça c'est sûr. Pour la première fois depuis le début de ses études de médecine, François va devoir prendre en charge des patients atteints de maladies graves. La plupart du temps, il sera seul et devra faire le moins d'erreurs possible. On peut dire que c'est la première prescription. Il y a des ratures, etc. C'est typique. À Marseille, David est appelé en urgence. Les pompiers viennent de déposer un jeune homme de 16 ans. Il s'est coincé les doigts dans une machine-outil en appuyant sur un mauvais bouton. Bonjour, je suis interne de chirurgie de la main. Ça va? Je peux avoir la lumière? Résultat, trois d'entre eux ne tiennent que par des vaisseaux. Vous êtes à jour de votre vaccin pour le tétanos, monsieur? Oui, mais j'avais un rappel en janvier. Si je te fais mal, tu me le dis, d'accord? David doit faire vite. Il n'a que quelques heures pour intervenir et sauver les doigts du jeune homme. T'inquiète pas, je te fais pas mal. Hop, j'emballe la main, posez la main. Hop. Sinon, j'avais préparé la radio. Donc, on fait la radio, ok? On va voir un petit peu à quel endroit c'est cassé. Le problème, c'est que c'est cassé un peu à la base de la troisième phalange. Et je pense que là, le bout des doigts, il est plus alimenté par les vaisseaux. Donc on va essayer de réparer ça. Ok? Donc on va regarder. Tu as déjeuné ce matin? Ouais. Ouais, à quelle heure? C'est pas pour te proposer un petit déjeuner que je te dis ça, hein, c'est pour l'opération. Ça va coûter 6h30. 6h30, ça va. Ok. Je vais expliquer que c'était grave, qu'on allait tout faire pour lui conserver le bout des doigts, et puis bon, après on verra. Quoi. Et vous pensez qu'il... Mais il a compris, il est conscient qu'il y a un problème. Quoi. Très vite, la radio indique que l'intervention chirurgicale s'annonce délicate. Mais qu'est-ce que tu peux faire parce que la centrale de pulpe, là, c'est difficile. Ouais, tu penses? Bah, ça a une mécanisme. Une intervention trop difficile pour David. C'est son senior qui va s'en charger. Ouais, c'est ça, ouais.
Il faut voir, mais il faut aller l'explorer. Je vais mettre en bloc. Je vais les appeler. Oui, Didier, c'est David. Je vois un jeune homme de 16 ans qui s'est amputé des deux... qui s'est fait des blessures des deux, des trois, des quatre en zone 4 avec le bout des doigts qui est plus vascularisé sur les trois doigts. C'est une coupe franche, tu sais, par un mécanisme de... comme une vitre, là. Je suis en train d'appeler le bloc opératoire, hein, puisqu'on va essayer de le faire rapidement. OK. Donc j'appelle l'anesthésiste. Merci. Donc là, je suis rassuré parce que mon autre chef qui est là, il a confirmé un petit peu ce que je disais. Donc je suis un peu plus... j'ai moins de doutes. Voilà. Même si David ne peut pas assister son senior pendant l'opération, pour cause de garde aux urgences, il a besoin de venir voir pour apprendre. Je veux savoir comment va mon patient, si le diagnostic que j'ai fait a été bon. Et comme c'est moi qui vais le suivre, prendre l'hospitalisation, il faut que je me renseigne un petit peu sur ce que lui fait mon chef. Quoi. C'est indispensable de passer lorsqu'on se... Ouais, il faut que je jette un coup d'ailleurs. C'est le docteur Guinard, mon chef, qui est en train de l'opérer. Il va essayer de réparer les vaisseaux qui sont abîmés, qui sont coupés, pour essayer de redonner la vitalité au bout des doigts qui ont été détachés. Moi, je suis... S'il vous plaît. En fait, là, il est au midi, il faut bientôt venir, je crois. Il est vascularisé quand même. L'intervention va durer plus de 3 heures. L'équipe va tout tenter pour éviter l'amputation. Bon, Garo, midi écart. Bonne nouvelle. Certains doigts du patient vont peut-être pouvoir être sauvés. Sur les trois doigts, il y a deux doigts qui ont l'air de se revasculariser, donc qui ont l'air d'être irrigués par le sang. Le troisième, le docteur Guinard va essayer de réparer les vaisseaux qui sont abîmés. Donc sur les trois doigts, il y a deux doigts qui devraient aller. Le troisième, encore un point d'interrogation. Voilà. Ce jeune homme restera finalement une petite semaine à l'hôpital, en convalescence. À sa sortie, il pourra de nouveau reprendre son travail et se servir de ses 5 doigts. Dans le prochain épisode, François va devoir présenter devant tous les grands spécialistes de l'hôpital le cas d'un patient atteint d'un cancer. Il va devoir également réaliser un prélèvement extrêmement délicat, une ponction lombaire. Paul va devoir affronter aux urgences des moments humains difficiles. Il va devoir prendre en charge la tentative de suicide d'une très jeune fille et soigner un homme que l'on a poussé sur les rails du métro parisien. Je sais pas comment j'ai pris dans la tête, mais... Elle est passée d'où à où, la décharge électrique? Des pieds à la tête. Delphine va vivre une véritable course contre la montre. Pour sauver sa patiente d'une mort certaine, elle va devoir prélever en urgence des poumons à l'autre bout de la France. Sixtine va faire face à des moments de stress extrêmes au bloc opératoire. Avec l'aide de son senior et pendant de longues minutes, elle va devoir lutter pour réussir à mettre au monde un enfant par césarienne. Vas-y, appuie un grand coup, il va venir. Il faut qu'il passe l'utérus, c'est bon, voilà. Non, là, je vois plus rien, là. David va vivre une garde de nuit, loin de sa famille et de sa femme malade. Il va devoir gérer une urgence difficile avec une femme de 85 ans, gravement blessée, et prendre en charge un peintre en bâtiment, terrorisé à la simple vue d'une seringue. T'as fait qu'un bruit ? Deux. Oh putain.